J'ai pas compris. On peut pas encore calculer. Question santé. C'est un virus qui affecte les muqueuses. Vagin, de la région anale ou de la région buccale, soit dans les cas les plus dramatiques des cancers invasifs. Les maladies liées à l'HPV, c'est-à-dire les verrugénies. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live sur la vaccination des IST. Alors c'est vrai que pour le moment on parle beaucoup de vaccination dans les médias, mais c'est principalement sur le Covid, mais ça nous a semblé quand même intéressant de refaire un petit point sur les infections sexuellement transmissibles et notamment sur celles dont on peut se vacciner. Vous savez tous qu'il est important aujourd'hui de se protéger des infections sexuellement transmissibles avec préservatifs, dépistage et traitement. Mais la vaccination est aussi un mode important de vaccination. Et donc, nous allons aborder pendant une heure, quelque chose comme ça, ces différentes thématiques avec mes partenaires de crime, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais vous les présenter. Donc, à ma droite se trouve le docteur Libois. Si tu peux peut-être te présenter. Bonjour, je suis infectiologue au CHU Saint-Pierre et donc je suis responsable des consultations donc, du centre de référence pour le VIH et de la S clinique qui est la consultation spécifique des IST. Merci Agnès. Et à ma gauche, alors cette fois-ci, le docteur Paloma Carrillo. J'ai essayé de le faire. Voilà, donc je suis médecin santé publique, je travaille à l'ONE et je suis responsable du programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci bien. Et mon collègue Trésor. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Trésor, le collègue a tiré, comme il dit. Je suis le responsable de projet dépistage au sein de la plateforme prévention sida. Merci bien. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous voulez, à poser des questions dans le chat en dessous du live. Mes collègues se feront un plaisir de nous les communiquer pour qu'on puisse répondre à vos questions, puisque c'est aussi l'objectif de ce live à un moment donné, c'est de répondre à vos questions et à vos interrogations en lien avec la question de la vaccination des IST. Et donc peut-être pour commencer ce débat, c'est important peut-être de refaire un peu le point de manière générale sur les infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut s'en protéger? Comment on peut effectivement les dépister? Pourquoi on parle d'infection? Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans la lutte contre le VIH, on parlait de maladies sexuellement transmissibles, on parle d'infection. Donc peut-être, docteur Libois, présenter un peu ces informations générales sur les IST. Voilà, donc je vais commencer par rebondir sur la différence entre infection et maladie. Donc effectivement, il y a quelques années, on parlait surtout de maladies sexuellement transmissibles. Le terme a changé et on parle maintenant d'infection. Et pourquoi infection et plus maladie? Parce qu'en fait, régulièrement, ces infections ne sont pas symptomatiques, donc ça veut dire... se manifestent, n'ont pas de manifestation clinique. Donc, il n'y a aucun symptôme, c'est ce qu'on appelle les infections asymptomatiques, tandis qu'une maladie, ben, elle se présente toujours avec des symptômes. Donc, ça, c'est pour reprendre ça. Donc, clairement, maintenant, on parle d'IST et plus de MST. Alors, quelles sont-elles? On a différentes sortes d'IST. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des parasites. Excusez-moi, mais en fait, le masque, il tombe un petit peu quand je parle. Donc, je pense que je vais reprendre l'ancien. Donc, dans les bactéries, on a trois qui sont très importantes, qui sont les infections à chlamydia, à gonocoque, éventuellement à mycoplasma genitalium, qui vont se manifester plus par des urétries, donc des difficultés, des douleurs en urinant, ou une inflammation et des douleurs au niveau anal, par exemple, voire au niveau de la gorge. Et puis, on a la syphilis, qui est une infection bactérienne également. La syphilis, qui était extrêmement présente le siècle passé. On a espéré s'en débarrasser, puisqu'on a un traitement hyper efficace, qui est la pénicilline. Il n'y a aucune résistance, etc. Donc, on s'est dit, en 2000, c'est fini, la syphilis, c'est fini. Et puis, en fait, on voit plutôt que depuis les années 2000, il y a une réaugmentation de la syphilis. Et puis, il y a les virus, il y a les hépatites. Donc, on a principalement l'hépatite B dont on va parler aujourd'hui et un petit peu l'hépatite A. Donc, ce sont des virus qui vont toucher le foie. Il y a également l'hépatite C qui peut se transmettre de manière sexuelle, mais pour lequel, malheureusement, nous n'avons pas de vaccin. Il y a évidemment l'HIV, bien sûr, hein, pour lequel nous n'avons pas encore de vaccin, mais je pense qu'on va revenir sur ce sujet un peu plus tard dans l'émission. Et puis le papillomavirus, ou encore appelé HPV pour Human Papillomavirus, pour lequel il existe un vaccin qui est extrêmement efficace. Donc voilà, en gros, un tableau. J'ai pas parlé de l'herpès ici, pour lequel nous n'avons pas de vaccin. Mais donc voilà les principales IST actuellement en 2021. Donc IST, infection sexuellement transmissible. Donc effectivement, ce sont des IST qui se transmettent principalement lors de relations sexuelles. Même si, je pense, certaines peuvent être peut-être contractées via d'autres modes. Alors, donc évidemment, les IST principalement, donc toutes ces infections sont principalement transmises lors des relations sexuelles. Et donc, le meilleur moyen de s'en protéger est d'utiliser un préservatif. Alors, il y a d'autres modes, par exemple, l'hépatite B peut se transmettre de la mère à l'enfant Et dans les pays, par exemple, d'Afrique subsaharienne, d'Asie et d'Amérique du Sud, il y a un très haut taux de contamination de l'hépatite B de la mère à l'enfant, avec une transmission vraiment autour de la naissance qui fait que les personnes sont atteintes dans l'enfance. Alors, pour ce qui est de l'hépatite B, en fait, on a vraiment des différences entre l'acquisition de l'hépatite B à l'âge adulte ou dans l'enfance. Le problème de l'hépatite B, c'est que c'est son passage à chronicité. Donc, l'hépatite B, c'est quoi? C'est un virus qui va toucher le foie. Donc, on peut être, au moment de l'hépatite aiguë, on peut être malade, avoir ce qu'on appelle une jaunisse, donc avoir le teint jaune, les conjonctives, donc au niveau des yeux jaunes, avoir des troubles digestifs. Et puis, mais voilà, une grande partie de ces infections vont se résoudre. Mais voilà, l'acquisition de l'hépatite B chez l'adulte, ben, on a 5% qui se transforme en hépatite B chronique. Hépatite B chronique avec un virus qui va continuellement affecter le foie et qui peut donner des cirrhoses du foie qui elles-mêmes peuvent se transformer en cancer du foie, raison pour laquelle c'est extrêmement important d'être protégé contre l'hépatite B. On a maintenant des vaccins qui sont extrêmement efficaces, qui sont tout à fait sûrs. On a un recul de maintenant des dizaines d'années et ce vaccin est dans le programme belge pour les bébés depuis, je pense, 1999. Donc, on y reviendra avec le docteur Carrillo dans quelques minutes. Mais il y a aussi l'hépatite C qui, elle, se transmet surtout par le sang, c'est ça? Alors, l'hépatite C se transmet surtout par le sang, peut se transmettre de manière beaucoup plus rare lors de relations sexuelles et de relations sexuelles chez des hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font un petit peu des micro-traumatismes et que cette hépatite C, en plus, profite en général d'une autre infection sexuellement transmissible qui va abîmer la muqueuse pour passer. Donc il existe des cas de transmission de l'hépatite C comme une IST, mais la majorité se transmet par échange d'aiguilles. Et alors, pour terminer les hépatites, il y a l'hépatite A qui a une transmission donc plutôt par un manque d'hygiène, donc des aliments qui sont contaminés, donc contaminés par des sels en fait. Les personnes qui vont à la toilette, qui ne se lavent pas les mains après et qui préparent à manger, par exemple. Et donc, là aussi, on a décrit des transmissions sexuelles de l'hépatite A chez les hommes qui ont des relations avec des hommes. Et on a eu des épidémies en Belgique entre 2015 et 2017, ce qui actuellement, on n'a plus vraiment d'épidémie. L'hépatite A est également extrêmement présente dans toute la partie sud du monde. Et donc, c'est un vaccin qu'on propose et pour les voyageurs, et en tout cas en Belgique pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes sûrement. Donc voilà, c'est clair qu'effectivement les armes de prévention aussi pour ces différentes IST ont évolué avec le temps, et notamment l'hépatite C où il y a eu quelques années, il y a eu quand même une petite révolution dans le secteur puisque on peut guérir maintenant de l'hépatite C puisque maintenant il y a un traitement. Alors, il y a un traitement de l'hépatite C, il y a un traitement qui est devenu très efficace et relativement bien toléré, qui se prend pendant 2 mois, 3 mois. Le problème de ce traitement, c'est qu'il coûte extrêmement cher et donc qui est réservé à des situations bien précises. Donc, tout le monde n'a pas accès au traitement de l'hépatite C. Il faut savoir que l'hépatite C, elle passe à chronicité dans plutôt 70 à 80% des cas, et donc le même problème de cirrhose peut en découdre et de cancer du foie. Donc c'est vraiment quand même une maladie qu'il faut essayer d'éviter d'acquérir, et donc voilà, par effectivement éviter le partage de seringues et avoir des relations sexuelles protégées. Tout à fait. Donc, préservatif, dépistage, traitement, ce sont véritablement les maîtres mots aussi dans la lutte contre les IST. puisqu'on peut s'en protéger de manière relativement efficace avec le préservatif. Je pense qu'à côté de ça, c'est important d'avoir une stratégie de réduction des risques, et notamment par rapport à celles qui peuvent se transmettre lors de contacts sanguins comme l'hépatite C, donc d'éviter aussi tout ce qui est échange de seringues et de matériel pour l'injection de drogue, et véritablement aussi faire le point de manière régulière par rapport à une infection en cas de prise de risque est quelque chose d'important. C'est toute la question du dépistage, et donc c'est clair qu'on va parler de vaccination, mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler l'importance du dépistage, puisque en se dépistant, on va pouvoir traiter les personnes et ainsi casser la chaîne de transmission. Donc je vous invite vraiment à aller sur notre site internet prévention-ist.org, il y a un petit moteur de recherche, vous mettez la commune où vous habitez, vous trouverez les lieux de dépistage proches de chez vous pour pouvoir savoir si vous êtes infecté et ensuite, le cas échéant, bénéficier d'un traitement. Alors peut-être commencer tout doucement à aller notamment sur la vaccination. Donc certaines IST, l'arme ultime, c'est la vaccination, et donc il y en a, on les a déjà un peu cités, il y en a deux dont on peut se faire vacciner de manière efficace. C'est l'HPV que le docteur Libois va présenter, mais l'hépatite A et l'hépatite B aussi bénéficient d'un vaccin. Si vous pouviez peut-être nous en dire un peu plus... Donc voilà, donc ça par rapport aux infections sexuellement transmissibles qu'on peut prévenir grâce à la vaccination, nous avons l'hépatite B et les HPV, dont je parle déjà du schéma, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Voilà, donc comment est-ce qu'on fait maintenant en Belgique? Donc les nourrissons sont vaccinés contre l'hépatite B, donc les schémas c'est à 2, 3... 4 mois et à 15 mois. Pourquoi on vaccine à cet âge-ci? Parce qu'en plus de ce que le docteur Libois a mentionné, pour l'hépatite B, en fait, il y a aussi une possibilité de transmission via les sangs, de morsures contaminées, de la salive contaminée avec du sang. Donc, ce n'est pas exclusivement sexuellement transmissible. Donc, voilà, il est très important de protéger les enfants, ou plutôt, hein, parce qu'on a expliqué déjà. Si on se contamine très tôt, si on s'infecte très tôt, les risques de passage à chronicité, des cirrhoses et des cancers de foie est beaucoup plus important. Donc voilà. Et en plus, nous avons maintenant un vaccin hexavalent, donc en fait, qui protège contre 6 maladies avec la même piqûre. Donc, la vaccination contre l'hépatite B s'est faite à ce jour de façon systématique, donc à tous les nourrissons avec cette vaccination. Okay? Après, il y a une option aussi, un rattrapage à l'adolescence, entre 11 et 15 mois. Tout ça dans le cadre du programme de vaccination. Voilà. Ça par rapport à l'hépatite B. Et par rapport au papillomavirus humain, dont je vais passer directement à la vaccination, dont en fait, les programmes de vaccination actuellement vaccinent les filles et les garçons à l'âge de 13-14 ans. En fait, la vaccination est proposée à cet âge. Elle peut être réalisée en... par les services de promotion de santé à l'école. Donc l'âge là, c'est deuxième différencié ou équivalent, deuxième secondaire ou équivalent, ou la vaccination qui est proposée par les programmes de vaccination, donc offerte gratuitement par les programmes, peut être aussi réalisée chez son médecin traitant ou pédiatre. C'est au choix des parents. Merci, mais peut-être aussi, on a parlé un peu d'HPV, mais concrètement, c'est quoi aussi l'HPV? Peut-être que le docteur Libois peut nous en dire un peu plus, parce qu'on a aussi parfois le sentiment que c'est une IST qui est un peu compliquée avec ces différentes souches, avec le vaccin qui marche pour certaines souches et peut-être un peu moins sur d'autres. Donc, faisons le point avec le docteur Libois. Alors... l'HPV, effectivement, n'est pas un virus très facile. Donc, globalement, il donne deux choses. Ce qu'on appelle les condylomes, donc des petites verrues génitales qui ne sont pas très graves, mais très embêtantes et qui sont relativement fréquentes. Et puis, de manière un petit peu plus rare, mais beaucoup plus grave, il y a les cancers. Et donc, l'HPV... est connu depuis très longtemps pour donner le cancer du col de l'utérus chez la femme. Et donc, on a vu que dans les pays maintenant où il y avait une prévention importante, le taux de cancer de l'utérus vraiment diminuait fortement. Donc, je pense que c'est des vaccins qui sont extrêmement efficaces. On a maintenant des vaccins efficaces. Alors, il y a plusieurs types de virus HPV. Et donc, le vaccin qui existe actuellement, il y a deux sortes différentes de vaccins. Un qui est efficace contre deux types de virus HPV qui peuvent provoquer le cancer, donc qu'on appelle oncogène, et l'autre contre beaucoup plus de sous-types de virus. J'ai parlé de la femme et du cancer de col de l'utérus, mais ce virus peut aussi donner chez l'homme des cancers de l'anus, dont le traitement est extrêmement difficile. Cancer de l'anus qui est plus prévalent chez les hommes, donc plus fréquent chez les hommes qui ont des relations avec des hommes, et d'autant plus chez les patients séropositifs, donc qui sont infectés par, par le VIH. Donc ça, c'est important pour le cancer de l'anus. Et également, c'est un virus qui peut provoquer des cancers de la gorge. Et de plus en plus, on a une augmentation des cancers de la gorge qui sont dus au HPV et une diminution des cancers de la gorge qui sont dus au tabac, parce que je pense qu'il y a moins de gens qui fument qu'avant. Mais par contre, la circulation de ce virus HPV est importante. Donc ça, c'est pour le tableau général de qu'est-ce que donne ce papillomavirus. Alors, on vaccine les jeunes filles depuis déjà quelques années, et depuis tout récemment, on vaccine aussi les jeunes garçons, adolescents, entre 13 et 14 ans, donc en deuxième année d'école secondaire. Et donc moi, j'avais une question, parce que donc, les filles, il y a un vaccin qui est gratuit jusqu'avant 19 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les garçons qui ratent cette dose en deuxième secondaire? Est-ce qu'il y a aussi une vaccination un peu de rattrapage ou Non, en fait, il y a deux circuits différents. Donc, un, c'est les vaccins du programme de vaccination. Et là, ils sont proposés à 13-14 ans. Et ces rattrapages pour les filles, c'est fait un remboursement Inami. Ça n'a rien à voir avec le vaccin qui est proposé par les programmes. Et malheureusement, l'Inami n'a pas accepté le remboursement pour les garçons. Donc là, pour les garçons, voilà, un séjour... Il faut payer en fait les vaccins. Donc si vous avez des garçons, il ne faut pas rater le coche de la vaccination en deuxième secondaire. Voilà. Non, mais je parle sérieusement parce que donc il y a deux intérêts, je pense, de vacciner les garçons. Il y a, comme je vous ai dit, la prévention des cancers de l'anus et de la gorge, et puis aussi le fait de diminuer la circulation du virus et donc de protéger leurs futures partenaires féminines éventuelles. C'est d'autant plus important que le coût du vaccin est quand même relativement élevé aussi, c'est ça? Combien ça coûte si jamais... Parce que les prix en pharmacie, c'est environ 135 € par dose. Donc c'est 135 € par dose et il faut 3 doses en fait pour être protégé, en tout cas chez les personnes de plus de 18 ans. Donc on a montré maintenant, enfin c'est 2 doses. Oui, c'est 2 doses pour... Mais c'est 3 chez les personnes de plus de 18 ans, donc ça fait quand même... un sérieux budget. Alors, nous, on essaie de vacciner un maximum nos patients qui vivent avec le VIH et les hommes qui ont des relations avec des hommes, en tout cas les personnes de moins de 40 ans, puisque des études ont montré que c'était efficace plus tard. Mais voilà, jusqu'à 40 ans. Après, on ne sait pas. En fait, on n'a pas beaucoup d'études. Ce sont des vaccins qui sont aussi efficaces dans la prévention des récidives de lésions précancéreuses qu'on peut trouver chez la femme et l'homme. Donc voilà, un message, vaccinez-vous le plus vite, le plus tôt possible pour bénéficier effectivement des conditions de remboursement. En fin de session, on présentera un site internet vaccination-info.be où vous trouverez toutes ces informations. Mais peut-être une question aussi pour Trésor. Puisque voilà, on parle de vaccination des jeunes, je me demandais aussi à un moment donné s'il n'y avait pas certaines spécificités par rapport à la vaccination aux IST, par rapport à un public d'origine étrangère aussi. Est-ce que parfois on entend parler de réticence à la vaccination? Est-ce que c'est aussi des choses qu'on constate dans cette population? Si on s'intéresse, je dirais, au public migrant, d'abord, il faut savoir que ici en Europe, la situation est telle que, voilà, on est dans des prévalences qui sont en dessous de 2%, donc la prévalence n'est pas aussi élevée que ça. Tout à l'heure, quand le docteur Libois présentait la situation épidémiologique, elle a fait allusion plutôt au pays du Sud, donc en Afrique, où la prévalence reste encore élevée. Donc, clairement, oui, les personnes originaires de ces pays-là ont plus de chances, je dirais, peut-être d'être porteurs du virus, mais ne sont pas plus à risque qu'une personne d'autre origine ou quoi. Mais d'un point de vue épidémiologique, si elles sont d'origine d'un pays africain, oui, là, sachant que voilà, c'est des pays où la prévalence est assez élevée, peut aller jusqu'à 8-10%, là, oui, effectivement, oui. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les recommandations internationales, notamment l'ICDC, préconise notamment que pour les personnes primo-arrivantes, notamment de ces pays-là, qu'un dépistage et une vaccination soient proposés, de sorte justement à donner toutes les chances à tout un chacun d'être immunisé vis-à-vis de cette maladie-là. Et ça se passe comme ça ici en Belgique? Je n'ai pas vraiment le ressenti, comment dire, la situation exacte en Belgique, mais en tout cas, si je prends des pays frontaliers comme nos voisins français, en tout cas des politiques de rattrapage qui existent et qui sont mises à disposition pour justement proposer la le dépistage d'un premier temps. Et si c'est des personnes qui ne sont pas porteuses, mais aussi qui ne sont pas immunisées, ben, un programme de rattrapage vaccinal est proposé à ces personnes. Est-ce qu'on sait si par hasard, à un moment donné, le CPAS peut intervenir aussi dans le remboursement des Théoriquement, je dirais, dans le cas de l'AMU, donc théoriquement, ça devrait passer, vu que l'AMU est censée couvrir les soins curatifs et préventifs, mais du retour souvent qu'on a eu avec les CPAS, lorsqu'il s'agit de soins préventifs, parfois les CPAS sont un peu plus réticents à pouvoir financer. Donc là, il y a vraiment des actions de lobbying à pouvoir faire et je pense que c'est aussi le cas, notamment pour la PrEP aussi, où parfois certains CPAS, en tout cas c'est les échos qu'on a, refusent effectivement de... Tout à fait, donc on ne peut pas généraliser, donc en général lorsqu'il s'agira de rembourser des soins préventifs, donc en tout cas à des interventions d'ordre préventif, notamment la vaccination ou le cas de la PrEP par exemple, ben, c'est au cas par cas, avec certains CPAS, le courant passera très bien et la personne pourra avoir accès aux services. Par contre, pour d'autres CPS, ça sera tout de suite un non catégorique. Dans la vaccination, on entend beaucoup aussi qu'il faut se faire vacciner avant les premières relations sexuelles. C'est pour ça qu'on vaccine très, très, très jeune. Pourquoi est-ce que c'est cette information-là qui s'applique en fait? Donc, il est important parce que en fait, la vaccination fonctionne avant, si on n'a pas eu encore contact avec les différents types du papillomavirus humain. C'est pour ça qu'elle est plus efficace si elle est réalisée avant du début des relations sexuelles. Donc l'âge actuellement, c'est 13-14 ans en Belgique. Il y a, voilà, la plupart des pays font entre 10 et 13 ans cette vaccination. Évidemment, on peut se vacciner après, mais ça peut être moins efficace, ou en tout cas pas efficace si on a déjà été en contact avec certains types de papillomavirus humains. Et concrètement, la vaccination, ça se passe comment? Imaginons que j'ai 13 ans, je suis un garçon, je suis à l'école et puis je vais me faire vacciner. Concrètement, comment ça se passe? Voilà, donc là, ça dépend. Les services de promotion santé à l'école proposent la vaccination, donc les parents doivent signer une autorisation. Et si c'est le cas, alors voilà, ça se passe bien dans le personnel de la médecine scolaire va dans l'école, ou des fois les écoles, bah, la situation Covid, tout a changé un tout petit peu, on a dû s'adapter. Mais voilà, souvent c'est voilà, la vaccination, les enfants, c'est bon, dans toute la classe en fait, et après, une après l'autre, évidemment, vont se vacciner, c'est pas tout en masse, mais souvent il y a une salle qui est utilisée pour la vaccination. Et c'est une injection, oui, pardon, voilà. C'est une injection intramusculaire dans les bras. L'hépatite A aussi. Voilà, comme les tout, ouais, voilà. On a toutes les vaccinations du programme sont des injections intramusculaires, sauf un vaccin qui s'utilise pour les tout petits, les rotavirus, sont des gouttes électorales. Mais sinon, le reste, ce sont des injections dans les bras pour les enfants plus grands et les adultes. Et est-ce qu'on sait, par hasard, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui refusent le vaccin pour leurs enfants? Oui, on ne sait pas quantifier. On sait qu'il y a certains parents qui refusent. Il y a certaines qui refusent simplement le fait de les faire à l'école. Ils préfèrent aller chez son médecin traitant et accompagner son enfant et pas les laisser pour être là quand ils se font vacciner. Donc ça, c'est une option, c'est tout à fait possible. Et les vaccins restent gratuits si les médecins les commandent via les programmes. Donc, on ne peut pas rembourser, mais ils peuvent les commander. Et on sait encore qu'il y a une certaine, voilà, des fois lié avec encore voilà, la sexualité, les faits, surtout on voit plus chez les filles, hein, le fait que certains parents sont réticents à vacciner parce que c'est comme donner un feu vert. Voilà, ce qui n'est pas, les études ont montré que ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a encore certains parents, voilà, le fait que ça soit un vaccin contre une IST, ça donne encore voilà, quelques soucis d'hésitation vaccinale. Et docteur Libois, par rapport au vaccin de l'HPV, justement, c'est un vaccin qui couvre la plupart des souches de l'HPV, c'est ça? Alors, c'est un vaccin qui couvre la plupart des souches oncogènes, donc des souches qui posent problème, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres souches. Du coup, j'avais une question. Le vaccin qui est donné maintenant au niveau scolaire, c'est le vaccin, ce qu'on appelle le Gardasil 9, donc c'est celui qui couvre le plus de souches possibles, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était encore... Depuis septembre, voilà, il y a 1 an et demi en fait, et puis la rentrée 2019-2020. Ok. Est-ce qu'on a des informations, je ne sais pas si vous pourrez nous répondre, mais sur des recherches où il y aurait des vaccins HPV qui couvriraient l'ensemble des souches, ou qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas de vaccin pour les autres souches? Alors, je peux peut-être répondre. Donc l'idée d'abord, c'est que il y a des virus HPV qui ne posent pas de problème à l'homme. Donc on n'a pas besoin d'être vacciné contre des virus qui ne posent pas de problème. Donc voilà, alors après c'est un peu technique. Ici, il y a quand même donc... On appelle Gardasil 9 en fait parce qu'il y a 9 souches de virus, 2 contre les condylomes, la souche 6 et 11, et puis toutes les autres sont les souches qui circulent principalement en Belgique. Donc ce virus est très efficace actuellement en Belgique, et j'imagine que s'il y a des nécessités de rajouter des souches dans l'avenir, ça pourra être fait. Ok, donc effectivement, il y a ces vaccins-là qui permettent de se protéger de l'hépatite A, de l'hépatite B et effectivement de l'HPV, mais il faut quand même rappeler que si on est vacciné de ces 2 IST, on peut toujours attraper d'autres IST. Hein, on en a déjà cité, la chlamydia, syphilis, gonorrhée, qui sont effectivement en recrudescence chez nous. Et donc la prévention traditionnelle reste aussi importante, hein. Le préservatif, le dépistage et le traitement, si malheureusement on a été infecté, restent des choses très importantes, d'autant plus que la plupart des IST, on peut en guérir, c'est quand même important de le rappeler. Oui, donc chlamydia, gonorrhea et syphilis sont des bactéries qui se traitent par antibiotiques. Alors on a un peu plus de difficultés avec les infections à gonocoque, avec un gonocoque qui devient de plus en plus résistant aux antibiotiques. Donc voilà, là on attend des nouveaux antibiotiques. Mais pour l'instant, en tout cas en Belgique, ce gonocoque reste relativement facilement traitable. Il ne faut pas oublier que ce sont des infections qui, non dépistées et donc non traitées, peuvent donner des problèmes, hein, que le chlamydia particulièrement, des problèmes de stérilité chez la femme, le gonocoque aussi. La syphilis peut donner des complications qui sont graves des années plus tard. Donc le dépistage est vraiment quelque chose d'essentiel. Dépistage régulier si vous avez des partenaires sexuels différents, et d'autant plus si vous n'êtes pas toujours protégé. Et une petite information qu'on a dit tantôt et qui est peut-être un peu passée inaperçue, c'est que le fait d'avoir contracté une IST fait en sorte qu'on est plus réceptif d'en attraper une autre par la suite, c'est ça? Alors, le fait, en fait, quand il y a des lésions au niveau des muqueuses, il y a des cellules inflammatoires qui arrivent là, et donc qui peuvent favoriser la transmission du VIH, par exemple, mais aussi de l'hépatite C. Donc, ça c'est important quand on a une IST qui est relativement symptomatique, en tout cas. Donc voilà, vraiment j'insiste, et je suis tout à fait en accord avec, voilà, prévention, préservatif un maximum. Quand c'est pas le cas ou qu'on veut être tout à fait sûr, un dépistage. Il y a pas mal de centres de dépistage et chez le médecin généraliste aussi, bien sûr. Je crois qu'on a reçu une question, mon collègue. Pourquoi certaines personnes se méfient-elles du Gardasil? Y a-t-il des effets secondaires avérés? Donc, je vais répéter la question. Y a-t-il des effets secondaires au Gardasil? Parce qu'il semblerait que certaines personnes aient des réticences à se faire vacciner avec ce vaccin. Je ne sais pas qui... Oui, moi je peux répondre, on peut répondre de manière complémentaire. Donc, alors voilà, je pense qu'il y a un vrai problème d'hésitance vaccinale. Là, on parle du Gardasil, mais je pense qu'on peut en parler de manière plus générale. C'est la même chose pour l'hépatite B. Il y a ce qu'on appelle de l'hésitance vaccinale. Donc, les personnes sont inquiètes. Alors, pour ce qui est du Gardasil, on a maintenant donné dans le monde, je pense, un peu plus de 175 millions de doses sans aucun effet secondaire avéré. Aucun. Donc je pense que, enfin, à part un peu de mal au bras et parfois un peu de fièvre dans les 24 heures qui suivent la vaccination, il n'y a aucun autre effet secondaire. C'est un vaccin qui est à 100% sûr. C'est la même chose pour l'hépatite B. On a essayé de parler de... Il y a eu des histoires, mais finalement, aucun effet secondaire avéré. Il y a toujours un peu ce problème, c'est que quand une personne fait quelque chose après avoir reçu un vaccin, il y a la première réaction de dire que c'est dû au vaccin. Or, on peut tous les jours faire un problème, et donc l'important, c'est de comparer la survenue d'effets secondaires dans le groupe qui a été vacciné et dans la population générale. Et donc, s'il n'y a pas plus de cette manifestation dans le groupe qui a été vacciné, il n'y a pas de lien avec la vaccination. Donc, on a maintenant vraiment démontré avec un recul important que pour l'hépatite B et l'HPV, il n'y avait pas de problème pour la vaccination. Voilà, ce qui est un peu différent de tout ce dont on parle maintenant autour des vaccins Covid, en tout cas ceux à adénovirus. Une question qui peut peut-être paraître un peu bête, mais je pense que c'est sur le terrain, on est confronté parfois à ce type de questions. Est-ce que ce vaccin va nous protéger pour toute la vie, ou est-ce qu'il faudra à un moment donné faire des rappels pour le vaccin HPV et hépatite B? Pour les HPV, je pense qu'on a une quinzaine d'années de recul maintenant. Donc on peut dire qu'en tout cas, il y a une protection jusqu'à 15 ans, mais évidemment, il faudra, voilà, il faut voir. Donc on a déjà ce minimum. Pour l'hépatite B, en principe, avec un schéma complet, on est protégé à vie. Et le schéma complet, c'est les plus... Voilà, ça dépend, ou bien les schémas qu'on utilise pour les nourrissons, hein, avec les vaccins hexavalents, à 2 mois, 3 mois, 4 mois et à 15 mois. Ou pour les adultes, ce sont voilà, 3 doses, 0 à 6. Donc ça dépend de l'âge de la personne, en fait, les schémas. Il y a certaines personnes qui ne répondent pas, pour lesquelles on peut voilà, refaire encore un schéma complet. Mais en principe, on est protégé après. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, comment on dépiste le HPV chez les garçons? Donc c'est la question pour, je ne sais pas si vous avez entendu, du dépistage de l'HPV, qui est clairement une question qu'on se pose beaucoup, et donc on sera très content d'entendre une réponse, on l'espère, claire. Alors, ben, malheureusement, en fait, c'est très difficile de dépister l'HPV chez le garçon. Pourquoi? Parce que le dépistage de l'HPV, comment chez la femme, il se fait au niveau d'un frottis du col de l'utérus. Mais on ne teste pas ailleurs. Chez le garçon, en fait, ce virus, il peut se trouver à différents endroits et c'est presque impossible de passer un frottis partout. Alors, on peut éventuellement faire des frottis au niveau de l'anus et voir dans certaines situations au niveau de la gorge pour voir s'il y a des présences de l'HPV, mais je dirais au niveau génital, de manière plus globale, c'est quasi impossible d'exclure à 100% qu'il n'y a pas un HPV. L'autre chose, c'est que si un virus est présent, s'il n'y a aucune anomalie, en fait, il n'y a pas de traitement, donc il n'y a aucune intervention derrière. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout en routine. Je sais que Il y a certains endroits où ça se fait, en tout cas en France, parce que ça, mais voilà, c'est dans des cliniques privées, ça coûte cher et en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, hein, je parle aujourd'hui où on n'a pas de, on n'a rien à proposer et quand le test est négatif, ben, on ne peut même pas rassurer complètement la personne en disant que voilà, elle peut être tranquille. Merci. Trésor, on a parlé un peu tantôt que c'était aussi important pour les personnes séropositives vivant avec le VIH de se faire vacciner, au moins jusqu'à 45 ans, mais je crois qu'il y a aussi là un problème en termes de coût et de remboursement, non? Tout à fait, j'allais en venir. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on parlait des publics cibles, en tout cas pour la vaccination remboursée, donc on a commencé par les filles, et c'est après, je pense que les garçons sont venus s'ajouter sur leur liste en se basant sur les recommandations du Conseil supérieur de la santé. Mais justement, dans ces recommandations du Conseil supérieur de la santé, en plus des filles et des garçons qui étaient mis en avant, aussi, la recommandation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH était question. Et je pense, à part du fait, je pense que le docteur Agnès Libois l'avait dit, que chez les personnes séropositives, donc ces personnes sont plus prévalentes à l'HPV, mais aussi en termes de développement des lésions, elles sont plus susceptibles de développer plus de lésions comparées à la population qui n'est pas porteuse du VIH. Et donc, clairement, oui, cette recommandation est là sur papier, je dirais, mais dans les faits, voilà, aujourd'hui, une personne séropositive, si elle veut bénéficier de la vaccination HPV, il faudra qu'elle paye la vaccination elle-même. Or, on sait très bien, en tout cas pour les personnes que nous on suit, il y a certaines personnes qui sont dans une fragilité pas possible, qui fait que, voilà, supporter ce coût de la vaccination, elle ne pourrait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces personnes-là, sachant qu'on sait le besoin qu'il y a à vacciner ces personnes. Donc, je pense que tout à l'heure, on parlait du plaidoyer par rapport aux personnes migrantes, par rapport à la vaccination de l'hépatite B. Mais je pense qu'ici aussi, on est dans le cas aussi de pouvoir mettre en place un plaidoyer pour que, justement, les personnes séropositives puissent bénéficier soit gratuitement de la vaccination ou alors au moins qu'un remboursement soit mis en place pour ces personnes-là. Et je sais qu'il n'y a pas que la Belgique, dans plusieurs autres pays européens, ce sont des recommandations qui sont sur la table, mais concrètement, les personnes doivent débourser les frais pour bénéficier de la vaccination. Est-ce qu'il y a du plaidoyer? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que l'ONE peut aussi à un moment donné être un levier? La difficulté ici, c'est que le programme des vaccinations de la Fédération Wallonie-Bruxelles, géré à l'ONE, ne comporte que les enfants sur 18 ans et les femmes enceintes. Et la compétence de la vaccination chez l'adulte, chez cette région, c'est qu'on voit maintenant avec le Covid aussi. Donc ça, malheureusement, ça difficulte aussi parce qu'on ne peut pas demander plus d'argent à notre ministre qui est la ministre de l'Enfance pour une vaccination chez l'adulte. Bon, c'est très compliqué. Donc voilà, en tout cas, pour nous, on a cette limitation-là. Voilà. Donc la vaccination, c'est une compétence donc régionale, communautaire, fédérale. Voilà, c'est un peu tout. On a des compétences à tous les niveaux et en tout cas, côté francophone, pour l'implémentation, c'est communautaire pour les enfants et c'est régional pour les adultes. Voilà. Et après, on a des compétences fédérales pour la polio qui est obligatoire ou voilà, pour maintenant, la Covid aussi, c'est un rôle très important pour tout ce qui est des pandémies. Donc, c'est vraiment, on a des compétences à toutes les niveaux. Oui, oui. Je sais que dans le cadre du plan SIDA qui est en train d'être rédigé 2020-2025, c'est une des recommandations. Donc, on espère vraiment qu'on va pouvoir faire porter ce combat. Je sais qu'Execo le porte beaucoup aussi parce qu'il y a vraiment des enjeux en termes de santé publique extrêmement importants. Je doute que le ministre de la Santé, Vandenbroucke, nous regarde aujourd'hui, mais vraiment, j'espère que via le plan SIDA, qui a quelque part la compétence au niveau fédéral, on va pouvoir finalement tout doucement faire avancer le schmilblick. Et peut-être en lien avec ça, je me demandais, on en a déjà beaucoup parlé un peu dans les médias, hein, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vaccin pour le VIH? Alors, le VIH est un virus très complexe et qui mute tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la première raison, c'est que par rapport au coronavirus actuel, qui mute peu, or on voit qu'il mute quand même, mais il mute beaucoup moins. Le virus HIV ne fait que muter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est très difficile de faire un vaccin, puisqu'un vaccin, c'est quoi? C'est donner à notre corps, soit un virus qui est inactivé, soit un morceau de virus, pour que notre corps apprenne, le système immunitaire apprenne à réagir contre ce virus, pour que quand il le rencontre plus tard, il sache exactement quelle arme fourbir contre ce virus-là. Donc ça c'est le principe de la vaccination. Et quand on a un virus qui mute tout le temps, ben, du coup c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on va donner comme protéines. Et donc il y a eu beaucoup d'essais de vaccination, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en jeu pour la vaccination du VIH, avec des résultats très modérés. Donc il y a eu, on était content en 2009, une étude en Thaïlande qui montrait quand même une efficacité de 30%, étude qui a été reproduite plus ou moins en Afrique qui ne montre pas d'efficacité. Donc ça c'est vraiment la déception. La bonne nouvelle, c'est les vaccins ARN messager, qui est vraiment une nouvelle technologie dans la vaccination. Et dans, je pense, ça va être aussi une révolution dans le traitement des cancers. Mais donc, dans la vaccination, c'est vraiment une nouvelle technologie. Qu'est-ce que c'est ces vaccins ARN messagers? C'est quoi en fait cet ARN messager? En fait, dans le noyau de notre cellule, on a tout un tas d'informations. Ils envoient des messages vers des petits éléments dans la cellule qu'on appelle les ribosomes. Et ce message, c'est l'ARN messager qui va dire à nos ribosomes « fais-moi telle protéine ». Donc ça c'est le principe de l'ARN messager qu'on a naturellement dans toutes nos cellules. Et donc là, on va directement en fait injecter de l'ARN messager, donc qui va dire à la cellule « produis-moi telle protéine ». Et donc on peut vraiment, pour le vaccin HIV, il y a une étude qui vient d'être faite avec cette technologie chez le singe, qui montre une efficacité, même si elle est modérée. Donc il y a encore, c'est pas qu'il faut crier victoire non plus, hein. Donc l'efficacité, elle est modérée chez le singe, mais elle montre quand même une certaine efficacité. Et donc il y a des études de phase 1 qui commencent chez l'homme. Et donc on va pouvoir donner, par exemple, différents signaux à nos cellules pour dire « fabrique-moi telle protéine, telle protéine, telle protéine ». Et comme ça, notre corps peut fabriquer vraiment des anticorps pour prévenir. Ça, c'est pour le vaccin préventif contre l'HIV. Le vaccin curatif est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui va se cacher dans nos cellules et donc à l'abri complètement du système immunitaire. Et en plus, c'est un virus qui touche nos CD4, donc une partie de notre système immunitaire, et donc quelque part qui... Il empêche notre système immunitaire de réagir et de faire des anticorps. Donc, le vaccin curatif, je pense, va être encore plus difficile. Mais voilà, avec les techniques d'ARN messager, on a des techniques maintenant de biologie moléculaire qui n'ont plus rien à voir à ce qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et donc, voilà, moi, ça vraiment, c'est un bond dans la science et avec une lueur d'espoir. Voilà, lentement mais sûrement, et donc ça veut dire aussi que la recherche avance, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, la prévention reste pour le VIH, mais aussi pour les autres, et c'était la meilleure façon de se protéger. Mais rappelons quand même que le VIH a beaucoup changé aussi les dernières années, puisqu'il y a eu l'apparition de nouvelles techniques de prévention. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a la PrEP qui permet aussi de se protéger si on n'est pas infecté par le VIH. Il y a effectivement aussi tout ce concept de indétectable égale intransmissible. Donc là, véritablement, il y a eu des enjeux extrêmement importants, mais le combat n'est pas fini. Et donc, comme je le disais, la prévention reste effectivement d'actualité. Est-ce qu'il y a par hasard aussi des recherches ou des vaccins qui sont attendus pour d'autres infections sexuellement transmissibles à un moment donné, où on n'en est nulle part? Alors, on cherche un vaccin contre le gonocoque, puisque je vous ai dit qu'il y avait des gros problèmes de résistance. Et donc là, il y a de la recherche, mais c'est pas si simple. Ça bute un petit peu. Il faut savoir que autant la syphilis, le gonocoque, le chlamydia, quand on a fait une infection, on peut en refaire une deuxième, il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que notre système immunitaire, après une infection, n'apprend pas à se défendre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'hépatite B, où quand on guérit d'une hépatite B, on ne passe pas à chronicité, eh ben on a des anticorps contre l'hépatite B et on est protégé, on n'a même plus besoin de vaccin. D'accord ? Donc ici, avec ces bactéries, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des recherches. On a montré que le vaccin contre le méningocoque B protégeait partiellement contre le gonocoque. Donc voilà, il y a des pistes. On a vraiment montré, par exemple en Nouvelle-Zélande, ils ont fait une vaccination de masse contre le méningocoque B et on a vu une diminution clairement des infections par gonocoque. Donc voilà, je dirais que là aussi la recherche progresse, mais c'est pas pour demain. Donc préservatif, dépistage, traitement qui seront des mots importants aujourd'hui. Alors peut-être pour avancer un petit peu aussi dans le débat, on a parlé il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Peut-être donner la parole à Laurence Cotte de Question Santé, avec qui la COCOF, la VIC et l'ONE ont travaillé justement sur un site qui reprend toutes les informations en lien avec la vaccination en Belgique francophone. On lui donne la parole. Bonjour à tous, donc je suis Laurence Cotte et je suis responsable de communication pour la SBL Question Santé et j'ai été responsable du projet de site vaccination-info.be. Donc voilà, j'ai travaillé sur la construction de ce site et c'est pour ça que je suis aujourd'hui présente pour vous en parler. Peut-être commencer, qu'est-ce qui a à un moment donné motivé la création de ce site? Est-ce que ça correspondait vraiment à un besoin que vous avez identifié? Et comment finalement sa naissance s'est passée, quoi? Alors ce site existe déjà depuis un long moment. Et donc, il y a quelques années, je pense que, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2019, on a décidé, en 2018, on a décidé de recréer le site, de le moderniser, de l'actualiser et de répondre à un besoin important de littératie. Et donc, le nouveau site vaccination-info.be a été créé par la SBL, donc Question Santé, en collaboration avec la VIC, la COCOF et l'ONE. Et donc, il s'agit d'un site d'information qui est destiné au grand public et qui présente des informations et des réponses aux questions que les gens se posent autour des vaccins et de la vaccination de manière générale. On a développé ce site avec un souci d'accessibilité. Donc le but, c'est vraiment de rendre l'information scientifique compréhensible par tout le monde et pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, on a mis plusieurs choses en place sur le site, notamment un lexique qui permet aux personnes de vraiment comprendre le vocabulaire qui est utilisé, le vocabulaire scientifique, et ce, à travers des pages au moyen de définitions qui apparaissent sous forme de pop-up. Donc, le site propose des informations, comme vous l'avez dit, sur les maladies contre lesquelles les vaccinations existent. Donc, on propose un descriptif de la maladie, de ses symptômes. On propose aussi une description donc, des vaccins qui sont recommandés pour cette maladie. On explique le schéma qui est utilisé pour la vaccination contre ces maladies, quelles sont les contre-indications, quels sont les effets potentiellement indésirables. Donc ça, c'est vraiment la partie très concrète sur les maladies. Après, le site propose aussi toute une série d'informations concrètes et très pratiques sur la vaccination, donc qui vaccine, où est-ce qu'on peut se faire vacciner, à quel moment de la vie il est nécessaire de se faire vacciner, quelles sont les recommandations vaccinales suivant les contextes de vie particuliers. Je pense à la vaccination quand on part en voyage, la vaccination au travail, la vaccination des personnes qui fréquentent une collectivité, la vaccination des personnes en situation d'immunodépression. Donc, on propose vraiment toute une série d'informations suivant les contextes de vie, mais aussi par tranche d'âge, donc au cours de la vie, en fonction des situations, bébés, enfants, adolescents, adultes, seniors et pour les personnes souhaitant avoir une grossesse. On propose aussi toute une série de documents pratiques, notamment le calendrier de vaccination qui reprend toutes les vaccinations du programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi les vaccinations à refaire, les rappels de vaccination à refaire à l'âge adulte. On a aussi des brochures sur les vaccinations spécifiques, la carte de vaccination, donc plein de documents concrets très pratiques des vidéos, des ressources scientifiques pour que les gens puissent vraiment aller au plus loin de leur recherche s'ils en ont envie ou vraiment s'approprier la matière de manière très concrète. En ce qui concerne les remboursements, donc toutes les vaccinations prévues dans le cadre du programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont gratuites pour les enfants de 0 à 18 ans. Après, pour tout ce qui est remboursement des vaccins à l'âge adulte, là, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des situations particulières, en fonction si c'est une vaccination qui est remboursée par la mutualité des personnes ou pas, en fonction du travail. Ça, c'est des choses qui se discutent au cas par cas. Et donc là, on invite chaque personne à prendre contact avec son médecin ou avec la médecine du travail, le cas échéant, pour avoir des informations à ce sujet. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ce site, c'est un site de référence qui parle de la vaccination de manière générale, qui essaye de répondre aux questions que les gens se posent. Et donc, on a une série de facs qui sont mises en place aussi. Les gens peuvent retrouver des infos. On a plein de liens vers les ressources officielles aussi, les différentes structures qui sont en charge de la vaccination dans les régions en Belgique. On aborde aussi certains points qui sont peut-être un peu plus d'actualité ou un peu plus touchy, notamment les différentes étapes de mise sur le marché des vaccins ou les différents types de vaccins qui existent. Et donc ça, je pense que si les personnes se posent des questions, on essaie d'apporter une réponse assez claire et concrète sur le site. Et donc l'idée, c'est que les personnes puissent vraiment trouver un site de référence avec des informations scientifiquement validées, sûres, correctes. Et je pense que c'est quand même bien de rappeler que le site est indépendant de tout intérêt commercial. Et donc, on est neutre dans notre manière d'approcher l'information. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup pour ces infos. Voilà, c'était Laurence Cotte de Question Santé qui vous a présenté les grosses infos du site vaccination-info.be. Je vous invite à le consulter si vous vous posez des questions sur la vaccination, mais je vais aussi en profiter pour faire un peu notre publicité. Donc on a notre site prévention-ist.org où là aussi vous pouvez trouver plein d'informations sur les différentes infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi un accès si vous travaillez dans un PMS, dans un centre de promotion de santé à l'école, dans un centre de planning, dans un mouvement de jeunesse. On a aussi plein de matériel en lien avec les IST. On a des vidéos qui parlent d'HPV, on a des vidéos qui expliquent comment les IST se transmettent, donc toute une série de matériels qui peuvent être mis à disposition si vous voulez faire de la prévention, parce que c'est clair que la prévention reste malheureusement encore un sujet très important, hein. Les chiffres des IST sont en augmentation depuis une vingtaine d'années, donc notre travail de prévention reste essentiel, et c'est clair qu'on ne connaît pas encore très bien quel va être l'impact de la crise sanitaire Covid sur les infections sexuellement transmissibles, puisqu'on a vu une diminution importante de l'accès aux services de prévention, aux services de dépistage, et donc véritablement on espère que les conséquences de l'épidémie Covid ne seront pas très importantes, mais on a certains doutes, et donc la prévention, et donc on a besoin de vous aussi finalement pour tout ce travail, et donc je vous invite vraiment à mettre aussi votre petite pierre à la lutte. Pour le reste, je pense qu'on a fait bien le tour de la question. Le docteur Libois a dû nous quitter puisqu'elle a une consultation qui commence à l'hôpital Saint-Pierre. C'est aussi l'occasion de faire la publicité du centre Elisa aussi, qui propose des dépistages anonymes et gratuits sur le VIH, mais aussi dans certains cas sur les IST. Donc allez-y, l'ONE qui reste évidemment un acteur incontournable pour toute la question de la santé à l'école. Donc, mille merci d'avoir pris sur votre temps pour participer à cette petite conférence débat sur la vaccination des IST. On a pointé avec Trésor certains combats, la vaccination des personnes séropositives au niveau de l'HPV. J'espère qu'on va pouvoir vraiment faire avancer ce débat-là, qui reste effectivement quelque chose qui est sur la table. Donc, de notre côté, on vous donne rendez-vous le 17 mai. Ça sera notre prochain live Facebook. C'est un lundi, toujours le temps de midi, où cette fois-ci, nous allons mettre sur la table le sujet de la lutte contre l'homophobie, puisqu'effectivement, le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et donc, on fera le point sur la santé sexuelle des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il y aura des acteurs de santé, mais aussi des acteurs de la communauté LGBTQI qui vont aussi à un moment donné porter certaines questions en matière de santé sexuelle, puisqu'on le sait, c'est un public aussi qui est particulièrement vulnérables au niveau notamment des infections sexuellement transmissibles. Donc on compte sur vous le 17 mai, et en tout cas un grand merci et bonne journée. Au revoir.